Salam alaikum. Alors, on continue, on va entamer le chapitre 2. On avait juste terminé le chapitre 1, les circuits combinatoires. On va commencer le chapitre 2, qui est les circuits séquentiels. Alors, juste pour rappel, ce module, il contient deux chapitres, chapitre 1, les circuits combinatoires, et chapitre 2, les circuits séquentiels. Alors, on va voir la table des matières. Les points qu'on va voir dans ce chapitre, on va commencer par une introduction. Dans l'introduction, on va voir le contexte des circuits séquentiels. Le contexte, ça veut dire, elle est où la place des circuits séquentiels dans la carte de l'électronique ou bien des technologies, de la science. Elle se situe où exactement cette technologie dans le domaine technologique. Réellement ici, on va continuer ce qu'on avait parlé dans l'introduction des circuits combinatoires. On va juste continuer la précision du contexte des circuits séquentiels. Dans le point 2, on va voir une définition des circuits. La définition des circuits séquentiels, ça veut dire on va voir une définition. Ces définitions, elles sont grossières, elles sont pas détaillées. C'est juste une aperçu de c'est quoi un circuit séquentiel et comment. Il se comporte, comment on peut les distinguer par rapport aux autres circuits. Le point suivant, le point 3, on va voir les caractéristiques des circuits séquentiels. Ici, on va détailler quelques caractéristiques qui sont propres aux circuits séquentiels. On va les énumérer, on va les étudier, on va les mettre en évidence. On va dire, voilà, les caractéristiques des circuits séquentiels, c'est ça et ça et ça. Dans le point 4, on va étudier l'horloge. Alors l'horloge, c'est un point important ici. L'horloge, elle est utilisée par pratiquement tous les circuits séquentiels synchrones. Et c'est quelque chose d'important dans ce domaine. On va bien étudier avant de commencer l'utilisation des circuits, proprement dit, des circuits séquentiels. On doit bien comprendre c'est quoi une horloge dans le domaine électronique numérique. Et cinquièmement, on va voir la spécification d'un circuit séquentiel. Normalement, cette partie, c'est la suite de la définition. Ici, on va définir formellement, mathématiquement, de façon précise, c'est quoi un circuit séquentiel. On va essayer de définir formellement et mathématiquement. Mathématiquement, ça va nous aider après pour le développement des circuits séquentiels. Sixièmement, on va voir les méthodes conventionnelles de construction d'un circuit séquentiel. Réellement, on va voir une seule méthode. C'est la méthode standard. Pour construire un circuit séquentiel, elle contient plusieurs étapes. En suivant ces étapes, vous pouvez construire un circuit standard, d'une façon standard, construire un circuit séquentiel. Et dernièrement, on va voir les circuits séquentiels les plus connus. On va voir quelques circuits séquentiels qui sont très très utilisés. C'est pratiquement tout le monde dans le domaine doit connaître ces circuits. Ils sont standards, ils sont très utilisés, ils sont bien connus. On va les étudier, on va les connaître.